Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos impressions sur le match? Qu'avez-vous tiré de cette expérience sur ce match de barrage? Mais c'était une entrée en matière difficile. It was a first game very difficult. Parce que mes joueurs étaient un peu crispés, notamment en première mi-temps. In the first half, the player was under stress. Et on a modifié à la mi-temps notre organisation pour avoir un peu plus le ballon. We changed the organizations at the halftime to keep the ball Et during the second à time. partir de là, on a eu le on a eu je dirais le monopole du ballon et ça a été plus facile pour nous en deuxième mi-temps. Then we keep the possession of the ball and it was easier in the second half. Coach Macolat, c'est un plaisir de vous revoir, même si c'est une nouvelle couleur, pas les bleus rouges. En deuxième mi-temps, l'équipe était plus à l'aise. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu durant la première mi-temps que vous avez changé et pour mettre l'équipe aussi à l'aise en seconde période? On s'est rendu compte qu'au milieu de terrain, on n'avait pas la maîtrise du jeu, hein, puisqu'ils étaient en nombre supérieur. Donc, j'ai fait redescendre un milieu de terrain devant la défense. Et à partir de là, ça a libéré un peu les deux joueurs qui étaient avec lui au milieu. Et ça nous a permis d'avoir plus de soutien à nos attaquants. Our midfield in the first time was under press. So what we did it's to put a midfield back and have two midfield in the offensive part to have the ball and play more. Bonsoir, Bonsoir. je suis Nathalie de Haïti. C'est votre troisième participation à la Gold Cup. Vous avez entraîné Haïti à deux reprises et maintenant vous entraînez la Martinique. Oui. Quelle différence faites-vous entre ces deux équipes et qu'est-ce que vous pensez de l'équipe haïtienne? Ben écoutez, les deux expériences sont, on pourrait dire, un petit peu similaires. Hein? Donc, sont deux équipes qui ont beaucoup de points communs. Both of the experience are similar. The two teams have a lot of common points. Haiti and Martinique. Et si je peux comparer, je dirais, les deux sélections, je dirais que Haïti est peut-être encore plus rigoureux je dirais, dans l'aspect défensif. Mais la Martinique est sur le bon chemin pour égaler Haïti. If we can compare the teams, Haiti is has more discipline on the defensive way, but Martinique is working to achieve this level. Bonsoir. Bonsoir. What is your opinion about the stadium and the field? In a few weeks, we are going to have here Lionel Messi playing. What do you think about the field and the stadium? Les installations qu'il y a ici sont extraordinaires. Sont extraordinaires et on rêve, en tout cas en Martinique, comme chez nos amis haïtiens, d'avoir de telles installations. Le terrain est magnifique. Et malgré le nombre de matchs qu'il va y avoir sur le terrain, je pense qu'il va résister parce que c'est une très bonne pelouse. The venue is really amazing. We need venue like this in Martinique. So even if there is a lot of game on the field, we think it will stay a good field for the next game. Oui.
L'équipe martiniquaise, coach Marc Collat, n'est pas une inconnue dans ce tournoi. Quelle est votre prédiction pour l'équipe martiniquaine dans cette compétition Gold Cup 2023? Mais écoutez, l'objectif, c'est toujours de se qualifier pour la Gold Cup. Our objective is to qualify for the Gold Cup. Mais on sait qu'on est tombé sur 12 adversaires difficiles. But we know we have two games very difficult before. Parce qu'après Sainte Lucia, on va jouer le vainqueur de Porto Rico contre le Suriname. Et on sait que ces deux équipes de bonne valeur, donc encore un match difficile dans quelques jours, mais on le savait avant. So we know that Puerto Rico or Suriname are two very good teams, and it will be a very difficult match, but we have to prepare for that. Coach, you have been coaching in CONCACAF for a while. I wanted to ask you, have you sensed any difference now that, you know, there are tournaments like Nations League, there's a preliminary round for Gold Cup. Have you noticed any difference in the level of play, even though it's early in the stages of Nations League? Alors, toi qui as déjà coaché plusieurs compétitions CONCACAF, est-ce que tu vois une différence de niveau entre la Nations League et les barrages de la Gold Cup? Oui, aujourd'hui, il y a une très grande différence par rapport à la Gold Cup que j'ai pu faire la première fois en 2015. There is a big difference since the first Gold Cup he has done in 2003. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que même les petites nations font appel à des joueurs professionnels qui jouent en Europe. Because even the little nation of football can now have professional players in their team. Et malheureusement, la Martinique, comme vous le savez, n'est pas un pays. C'est une sélection régionale. And unfortunately, Martinique is not a nation. It's a territory's team. Ce qui fait que les clubs, contrairement aux nations, peuvent nous refuser de faire venir des joueurs ici, et c'est ce qui s'est passé pour cette Gold Cup. And the difficulty is that we are not a FIFA nation, FIFA member association, and we have to ask the professional team the authorization for the players, and unfortunately it's difficult to have the players because they denied our asking. Voilà. Thank you so much, Coach Collat. Thank you. And congratulations on your big win tonight. Thank you so much.